Salut à tous, c'est bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va Ça va très bien, attends. ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu d'historique avec le deck Gobelin qui nous a été demandé, on vous l'a proposé, on dit, est-ce que ça vous dit de voir un petit peu des decks tribaux en historique Format où on va très peu, mais c'est vrai que pour découvrir la petite decks tribaux, on se dit, mais pourquoi pas Donc Gobelin en ouais. BO1 comme, euh, comme le deck Honda que nous avions joué. Ah non, on l'avait joué en BO3, je crois. Je ne sais plus. Qui doute. Bon, en tout cas, Je crois qu'on avait une version BO3, mais on est parti en BO1 parce ah, que le but, c'est surtout de ça. monter les tribalités, les nouveaux exact. lords qui sont arrivés avec Dominaria pour le coup. Donc voilà, là on veut juste un ouais, petit peu Goldfish pousser l'écart, montrer voilà, des thématique. séquences. Euh, on ne tryhard pas du tout l'historique, on n'a pas de grosse connaissances dans ce format, donc voilà, on ne va pas s'aventurer trop là-dessus. Là, ici, on vous montre les Goblins, voilà, et on vous montrera toutes les euh, tribalités qui sont puissantes en historique, C'est ça, demain, il y a un bon lord humain, on vous présentera les humains. Dites-nous, exactement, dites-nous toujours si ça vous intéresse, si vous voulez voir, nous on est toujours à l'écoute de ce que vous voulez faire. Il y a plein déclisses possibles à faire, à jouer dans Magic, dans plein de formats. Donc nous, voilà, on a envie de vous faire kiffer, de se faire kiffer aussi. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait Goblin, très agressif, euh, pour le coup, genre, on a plein de lords euh, grâce bah, au maître de la Horde aux nouvelles qui se rajoute, hein, euh, forcément. Pour deux, on a une 1-1 qui donne plus en, plus en plus aux autres gobelins. Et à chaque fois que lui ou un autre gobelin qu'on contrôle meurt, on exile la carte du dessus. Si c'est une carte de gobelin, on peut la lancer jusqu'à notre prochain tour. Et ça. on n'a que des cartes de gobelins sauf la fable qui fait deux gobelins mais qui n'est pas une carte de gobelins qui accélère donc vers ça luxus. donc ça marche très très bien, c'est un des nouveaux ajouts du deck gobelins, c'est à dire mmh. que le deck gobelin il essaye ou de prendre le board avec un bord très très large et buffer tous ses gobelins pour tuer à l'agression ou alors il essaye de partir en combo en castant Muxus luxus le plus rapidement possible ouais. et ce qui est incroyable c'est que fable bah, ça comble ces deux, deux possibilités là quoi avant la fave du brismero, on jouait des cailloux pour accélérer Muxus, mais ça participait pas au plan gobelin. Là, on a une carte qui fait le pont entre les deux, euh, entre les deux plans de jeu, et ça c'est excellent pour le coup. Mmh. Et le reste, c'est un peu du classique, quoi. C'est ce qu'on connaissait déjà oui. dans les decks gobelins au préalable. C'est ça, ouais, le chef de guerre euh, gobelin, chef de clan, <laughs> le Krenko, le gobelin cri de guerre, le prospecteur aussi qui permet de jouer au Muxus plutôt. C'est ça. Et, euh, et le fouineur flagrant qui permet de faire des dingueries des fois, notamment quand il y a un Krenko. Au dessus du deck. J'aime bien parce qu'on a un vrai plan agro et pas forcément qu'un plan muxus là où avant on avait vraiment le plan muxus, on jouait des hauts faits de culme fer, des cailloux, ouais. et du coup ton plan gobelin il était un peu médiocre. Là t'as un vrai plan gobelin et il se trouve qu'en bout de course t'as muxus et c'est juste win quoi. Ouais c'est clair. Non franchement ça a l'air très sympa. Et puis de toute façon quand tu connais pas trop un format baser sur un deck un peu agro, avec un plan un peu débile, des fois, Muxus qui peut faire n'importe quoi, c'est toujours bien. Je pense que tu fais facilement tes quêtes avec ça. Ouais, si jamais ça vous intéresse un peu l'histo, je pense que ce deck là en BO1 ça va être sympa. Mais bon, après, c'est pas du tout budget. Il y a pas mal de rares donc si vous êtes budget, ceux qui peuvent, bien évidemment. Après, si tu joues en historique, déjà t'es moins budget que la moyenne. Normalement, voilà. On est parti. Allez, c'est parti. Voilà, deck très rapide. On va se faire des petites games de BO1, se régaler. Si jamais ils vont regarder cette vidéo le lundi quand elle sort. À 19h ce soir, il y a le kiffé kiffé, euh, où du coup j'amènerai cette fois-ci Val sur mon terrain. Pour lui présenter des choses, pour lui parler de choses, pour euh, euh, passer une soirée de régalade pour se faire kiffer tout simplement. Ouais. Euh, C'est sur Twitch à partir de 19h. La rediff est dispo sur YouTube et sur Twitch. Enfin euh, sur Twitch instantanément sur YouTube quelques jours plus tard. Sur notre chaîne replay est dans la description. Euh, pour ceux qui sont pas dispo le lundi. Et pour ceux qui viennent, mais il y a toujours deux bons achats 30 euros à gagner par notre sponsor Play Magic Bazaar. Merci beaucoup à eux. D'ailleurs, merci, merci pour beaucoup. Euh, leur euh, partenariat sur euh, l'émission Twitch et sur YouTube aussi. Euh, code pl 2022 sur la boutique de point de fidélité supplémentaire sur leur boutique pendant qu'il y a un petit coup de perceuse et voilà, ça nous soutient, ça vous ça vous régale. Merci à tous, donc, merci beaucoup là. et merci donc une manche gagnante historique, on est parti et merci beaucoup aussi pour vos retours parce que les deux premiers qui euh, fait on peut le dire, ont été un succès en tout cas un succès d'estime. Euh... Excellent. Les gens ont vraiment adoré euh, ouais. Ces qui fait kiffer là. En tout cas dans les retours qu'on a en termes de commentaires ou quoi, c'est vraiment un moment. Euh un super moment partagé avec vous. Donc euh, bah nous on est trop fier de ça on est trop content. Bah ouais. Alors, Merci beaucoup ça C'est ce qu'on attendait euh, de ce qui kiffer, fait kiffer. Bam, je garde snap keep. Je euh, peux faire tour 1 dans euh, tour 2. Snap keep euh, oui, ça va. Oui, puis Fab ça participe à accélérer le deck. Donc, euh... En fait, tu perds un prospecteur mais tu continues à ouais. garder de l'accélération. Si ouais. j'ai un tour 2, je peux attendre sinon euh... oh. Ah, bah sans surprise. Erreur. et lui joue celui-ci que nous ne jouons pas. Il donne la à une carte dans notre main, enfin dans sa main. C'est pas mal. Euh... C'est pas mal en même temps sur Muxus, tu trouves le chef de clan Goblin qui te donne déjà la célérité, je crois. Ouais. Non, je mettrais quand même Fable moi. Du coup, je vais mettre un point de dégâts. Ouais. Et jouer ma Fable. Alors, ça fait plaisir d'avoir plein de commentaires qui vont dans le même sens sur un nouveau projet, un nouveau concept qu'on mmh. vous amène. On a arrêté le rossé pour mettre en place le kiffé kiffer. Et les gens nous disent, bah putain, on kiffe vraiment. Ouais. Même des gens qui voient la rediff et qui disent, putain, mais ça devait être incroyable en live. Donc voilà, si jamais euh, vous aimez bien les kiffer kiffer, sachez qu'en live c'est encore plus cool. N'hésitez pas quoi. Nous, en tout cas, sûr, on ça. kiffe et c'est vraiment tout le but de cette émission-là. C'est tout, je crois. Ouais. Parce que je vais faire des trésors donc je peux me permettre de... Non, non, ouais, tout est bien. Dans le verlan, mais bon. Tout est bon dans le Gobelin. Euh. Je mettrais chef de guerre pour mettre plus de... Faut aussi aussi Krenko, mais bon. Non, non, Krenko, c'est bien quand il aura la célérité avec ton chef de clan. Mais plutôt chef de clan Ah non, lui, il donne pas la célérité, c'est chef si, de si. guerre. Il donne de plus en plus de célérité, et là il goûte un de moins et la célérité. Bah, mes chefs de... Chef de clan gobelin, je pense. Ouais. Cinco punto. Ah, du coup, pour le tour prochain, je fais land. Chef de guerre, il me reste deux mana. J'attaque, je fais un trésor. Je peux faire euh, ça, attaquer Krenko. Ouais. Ce qui est pas mal du tout. Oh Ça ne fonctionne pas. Non, c'est fonctionné. Cela dit quand je vois un petit peu les gobelins qu'il a à disposition et tout, et ça... J'ai l'impression qu'il joue euh, les cartes qu'on mettrait dans notre side si on joue en BO3. Ouais. Le tournoyeur, le yeah. vortex. Nice. T'imagines les turbo muxus que tu fais avec ce deck ah ouais. Bah tu peux pas copier mucus, mais... Oui c'est vrai, mais tu l'accélères pour le coup, tu peux l'accélérer. En vrai j'ai été content mais en fait on peut rien faire avec notre main donc on va juste Renko. Bah tu peux juste faire un chef de guerre doublé hein si tu veux. Ouais, bon mieux Krenko, là. Bah là tu fais crinco, tu l'engages, tu fais plein de trucs, après tu refais un chef de guerre, tu bourres avec tout, euh... Bah je vais même encore mieux, regarde. Voilà. Ah bah ah, j'allais copier lui... ça... Attends là tu lui mettais uh, 10, ça là, le, le petit peu, hein oh, Oui mais genre c'était pas... Euh... Je pensais que j'allais pouvoir faire genre 2 crinco ah, ou quoi Non en fait, non quoi. non, tu fais pas 2 crinco, mais t'allais mettre genre je sais pas euh... 8, 8 tokens mais 3-3 tu vois donc ouais, euh... ouais. On 3 On trucs. Le deck est insane, hein Fin de cette vidéo. <laughs> Toujours à très résultat lentit sur un tout petit échantillon. C'est très, très important vous apprenez dans toutes nos vidéos. Vous faites une game, vous faites une death, il n'y a pas assez de monde. Le deck est pourri. Mettez-en 4 de plus. Vous faites une game, vous gagnez, vous pouvez le participer au War. Voilà. Deck insane. Vous faites une game, vous perdez. Bon, il faut arrêter. Quoi. Le deck est pourri, le deck ne il, plus il, il magique, marchera même, jamais. Tout simplement. Ne jouez plus à Magic. C'est un gain de temps. C'est un gain de temps, là, littéralement. Mickey. Enfin, Mikey. Bah, Peut-être plus Mikey que Mickey. Ouais. Oh Je de te dire. Est-ce que tu as vu Parce que je l'ai regardé. Et qu'en ce moment je suis un revival, je suis dans un revival des années 90 mais ouais. fort tu vois. On a parlé de Power Rangers et compagnie. Tu savais qu'il y avait un film qui était sorti en 2017 Le Power Rangers Ouais. Euh, je crois ouais mais je sais pas si. ce que, que, que tu l'as vu Oh bah ben on nous a volé un muxus. Ah c'est sympa. Non je l'ai pas vu du tout. Eh bien je l'ai vu. Et alors Eh bah ben, c'est pas si mauvais par rapport à ce que tu peux t'attendre d'un remake en 2017 ouais. de Power Rangers. Ouais, j'avoue que quand tu me, me parlais de ce que c'était avant, genre euh, bah, ce que ouais. je ne connais pas dans notre souvenir, mais ce que c'était réellement. Ouais, alors ce que c'était avant, c'était une catastrophe, euh, pour le coup. J'ai réessayé des, des épisodes, c'est dramatique. Tu préfères accélérer Fable Je suis pas sûr, je crois que Fouiner, c'est mieux, non J'ai pas de land, donc euh, Fouiner. Euh... Ah, mais derrière, tu en as 4 de land, après. Des 4 lands, c'est-à-dire bah, Avec euh, Prospecteur et Fouiner, que tu peux sacrifier et tout. Ah, tu veux t'accélérer direct sur Fable Ouais. Je pensais... Ok, ok, vas -y, vas -y. Ça a bien marché game d'avant, je vais être résultant, on l'a dit juste avant. Résulte. Non, mais évidemment, pour ceux qui ne savaient pas, les Power Rangers, en gros, c'est des Super Sentai qui sont achetés au Japon, euh, où on redoublait toutes les parties tranches de vie avec des acteurs américains, parce que bah, les Américains ne euh, voulaient pas voir d'acteurs japonais, en tout cas, les enfants euh, n'allaient pas consommer ce produit-là. C'est l'identification euh, Voilà, on retournait des séquences et on gardait seulement les scènes de combat euh, au Japon, mm. ce qui fait que qu'en termes de montage, quand vous regardez un épisode de Power Rangers maintenant, que vous y connaissez un petit peu sur le montage et tout, c'est à chier par terre quoi c'est incroyable mais moi c'est mon enfance j'adore les Power Rangers tu vois j'adore euh, la danse <laughs> ouais. bah ben, c'était malin tu vois c'était yeah, du ouais. business quoi c'était du grand business à l'époque en plus c'est un français qui a fait ça et tout j'avais les fouineurs là je crois parce que prospecteur avec Krenko ça fait des choses épiques. Okay, ok 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 à mon avis et du coup ils ont ressorti un film mais qui lui n'a pas toutes ces contraintes là euh, qui est juste un film américain de Power Rangers avec des Américains et qui est plutôt bien produit et je m'attendais à une énorme daube c'est une daube ok mais Et pas énorme non j'ai passé un bon moment la daube est, est correcte. j'ai passé un bon moment il y a tout le fan service que tu peux attendre t'as même la musique Go, Go Power Rangers à un moment oh. euh... du, 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 du. non ça marche ah, bien ouais. ça marche bien ok le héros le Power Rangers rouge c'est billy dans stranger things voilà ce qui me ah <laughs> le frère de, de max d'accord exceptionnel ah merde j'aurais pu faire fizzle. J'étais... Non mais parce avec je, euh, euh, je, je te raconte euh, mes, mes déboires pour Ranger Il n'y a rangersque. pas de galère. Ah zéro galère. 5 puntos. Donc, voilà si vous l'avez vu dites-nous dans les commentaires si vous l'avez trouvé bien ou si... Euh, juste je suis... Si vous l'avez trouvé. <laughs> si je suis juste un peu tolérant. Ah bah je sais ce que ça fait ça... Euh, voilà. C'est ce Ah minuxus, direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sacrifie lui. Ouais, quand tu peux ouais. faire un Muxus, tu patientes pas, quoi. Non. Un Muxus n'attend pas. Sacrifier un gobelin Ouais. Un Un prospecteur. C'est vrai que si tu mmh. sacrifies le prospecteur avant, ça ne marche pas, quoi. Mais non. Ah, pas la célérité. C'est un peu dommage. Mais on a fait un board. Mais c'est un peu dommage. Ah, tu pouvais sacrifier des queutrues. Pour chef de guerre, gobelin, donner à célérité. Comment Bah lui il te permet pas de sacrifier des. Ah non, ça fait pas du mana, putain, ça, ça permet de. Si je gardais coup, le prospecteur, je, que... je pouvais, mais bon, ça me coûtait 3 gobelinos quoi. Ouais. Oula. Ah voilà. Bah, il s'est dit, qu'est-ce que je fais là J'adore avec... oh, mes couilles. Qu'est-ce que tu fais là-haut Réveille-toi J'aime bien ces, euh, ces phases de. On boit en BO1 avec un deck tribal historique. Et en même temps on parle, tu vois, de Power Rangers c'est tout. oui. J'aime beaucoup, moi. C'est exceptionnel. C'est parti. Parce qu'on a un deck qui nous permet de faire ça. On n'a pas besoin de s'aider. On pousse nos cartes. On n'a pas trop besoin de réagir à ce que fait l'adversaire. Ce qui nous laisse plus de temps nous pour, euh, pour discuter. Euh, si jamais on jouait euh, un miroir de midrange en standard. laisse mm. moi de te dire qu'on pourrait pas trop développer de la... Ah bah on pourrait discuter et perdre ou... Euh... <laughs> ouais, c'est Pas discuter et euh, peut-être perdre. Et peut-être perdre. Et essayer de gagner. Tiens, j'en fais une. Vas-y, vas-y. J'ai vu que tu voulais te subtiliser la souris là. On n'a pas le skirk. mec s'éclipe, mais c'est pas grave. Le de... Skirk, Skirk! Allez, Allez Valor! Ça, c'est quoi la condition? Il faut une montagne? Une montagne. C'est gratuit. gratuit. Est-ce que les gens se souviennent dans Power Rangers? J'ai regardé l'épisode 1, le Power Rangers des années 1993. Mmh. Hein. Mighty Morphine. Mighty Morphine, exactement. Est-ce que les gens se souviennent les parties donc américaines, où mmh. il y a la tranche de vie avec euh, Jason, euh, Billy, Tommy et compagnie? Mmh. Euh, au lycée, donc c'est tourné un petit peu en mode Los Angeles, il fait soleil, il fait beau et tout. Ouais. Euh... Alors, attends. Je me choisis... dis la est. Je mets la est Ouais. All in. Euh, quand un méchant arrive sur Terre, ils sont téléportés en face du méchant hum. et ils se retrouvent dans une ville japonaise bien grise où il n'y a oui, pas du vrai. tout de soleil du tout. C'est tout gris, ouais. C'est vraiment bien, bien gris. Et ouais. ça, pour les yeux. Ah ouais C'est horrible. Oh la catastrophe quoi. Ah, Je me rappelle pas du tout. Enfin je me en rappelle de ce gris. Cette espèce de fog, cette brume de merde. C'était Mais... Tokyo euh, en automne quoi. C'est gris gris gris. Ou Tokyo. Genre euh, l'image n'est pas la même. Ce n'est pas la même image. C'est fou qu'enfant, on n'ait jamais tilté quoi. Oui, est-ce qu'il nous en fallait... Euh, le, le méchant ça est dans Tokyo et ouais. dès qu'il grossit, on se retrouve... Dans une carrière gros. Ah mais ça je me rappelle aussi. Sans aucune et même, raison. Il n'y a pas eu de téléportage. Il hein. y a des cailloux devant pour cacher les pieds et il y a des trucs qui se battent. C'est fais un truc de fou ah, premier, ouais. gros. Et j'étais là en mode... Oh c'est l'arnaque du siècle ce truc. Ah c'est arna arnaquismo de ouf. Même mon petit cool là. Oh, je fais plutôt un petit chef de guerre et me tout mettre. Bah tu peux cool l'utiliser de suite. Oh, je fais je deux, fais... ah, ouais. deux gobelins, deux deux célérités, tu mets six points. Ah mais si je fais ça et ça, je mets combien Je mets plus encore. Tu mets... Tu mets pas mal plus Tu mets 5... Tu mets moins pour l'instant mais plus plus tard, vas-y. Non parce que ça, ça buff aussi. mais un, deux, trois, ouais, quatre, ben, tu cinq, mets 1, 2, 3... 4, 5... Tu mets... Ah, tu mets... Sept. Tu mets 7 Tu mets ouais, un point de plus. Okay. Tu mets un peu plus et derrière en plus tu fais des dingues. Ouais. Donc ouais ouais ouais, ça m'a... Mais c'était éducatif quoi Justement ce premier épisode m'a passionné Euh... Oula, je sais ce qu'il veut faire lui. Alors c'est pas combo normalement. Il va faire des, des méchancetés hein. À moins qu'il y ait au cimetière Ah, bah oui, c'est bon, on l'a Ah, putain, le boss. Effort. <laughs> fort. Ça m'a passionné très, pour très voir fort. les transitions de plans et tout, c'était fait mmh. avec un cul, mon pote. Bah, en fait, c'est genre action, il <laughs> filme, coupé, <laughs> et on passe au plan d'après. Ouais, mais comment nous, les enfants de l'époque, on n'a pas pu voir ce manque de cohérence Ça nous a jamais tilté, quoi. Mais avais-tu le choix et avais-tu euh, les enfants préparer, maintenant mais ils euh... peuvent euh, ils ont le catalogue Netflix ils ont tout nous c'était la une la trois ah, ouais, il est midi mais, on a mais il y avait Club Dorothée moi je regardais mangue... enfin j'avais la chaîne manga tu vois je ah, voyais que sa chaîne manga voilà. je voyais que Sangoku quand il se battait dans une ville il n'était pas dans une clairière le tour d'après ou alors le plan d'après ou ouais. alors s... est-ce qu est est important est non mais c'était fou. En fait, tout ce que t'attendais en temps fou, en c'était la transformation du robot. Elméga ils sont Dord. dans une buvette à la, NL, à la Hélène et garçon. Il fait plein soleil. On est en Californie et ouais. ils, ils se battent dans un Tokyo grisâtre, quoi. Mais en même temps, ils sont ailleurs, donc ils peuvent être n'importe où. Et il se trouve que c'était régulièrement un Tokyo grisâtre. La banlieue grisâtre. Franchement, Tokyo. si jamais vous l'avez jamais refait, regardez avec vos yeux d'adulte, c'est exceptionnel. Je pense qu'on n'a jamais fait ça, quoi. On se garde. Hein. Oui. Mais avec Turbo Mixus. Bah, qu ouais, bah, mais qui s'y là Qu'est-ce que tu fais, oui. toi dans ton panier Mais barre toi Oh Il a fait une roulade <laughs> Mais barrez vous Pige Oh l'elfe Oh elle est bien belle cette forêt Cette forêt Ah bébé là Bébé le corps Putain je sens quand même que le Non 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 faut pas faire ça Parce que c'est fiché pour avoir... le jouer Ok je en... Oula attends C'est quoi le trick J'étais en mode Oh on peut le jouer non, non 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 Je sens que en BO1 en historique euh... C'est très combo-ish quand même format. Ah c'est On y ouais. va bien fort quoi TKT, on est là quoi. En vrai, on va aller plus vite que lui, je crois. Hein. Mmh, chef de guerre gobelin. Si je fais prospecteur, le tour d'après, on a Muxus. Tour d'après, chef de guerre aussi, non Ah oui, avec chef de guerre aussi, t'as attends. raison. Attends. Non, t'as raison. quatrième lande. Et non. non. Non, non. Ah non, il faut prospecteur. Il faut prospecteur. Ouais. Bah, je prospecte alors. Vas-y, prospecte. Parce que là, lui. Euh... Laisse-moi te dire qui va pas Et nous attendre. d'ailleurs, tu peux euh, sacrifier Ça, le pour faire euh, chef. Euh, C'est ce qui va se passer je de pense. guerre. Ouais. Voilà. Ouais. Oh. Un excellent jeu qui m'envoie une notif. Mec, tu je peux attaquer trade. Vas-y. Ils font trade, on est bien. Ils se doutent pas, ils se doutent pas. Ils doutent de rien. Ils doutent de que là. Voilà. Il sait pas le type. D'ailleurs, tu vas pouvoir Muxus et garder ton chef de guerre pour qu'il ait la liste. Ok, ça vraiment c'est très mou. Après, il a. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 mana. L'archidruide se compte ou pas Il a 6 mana. 6 mana cas. avec l'archidruide, ouais. Il a 6 mana toujours. Ça commence à faire beaucoup. Euh, plus que 5 maintenant. Et Il a que 5, je n'arrive pas à compter. Mais c'est pas grave, on, on, on tient les comptes, TKT. Alors là, il fait un gros board, mais. Il n'a pas la célérité. Est-ce que nous, nous possédons Ah ouais. Mais nous mais allons attends, posséder. Quand même, Quel coquin, quoi Oui. C'était un très beau bord. Et il était sympa. Sa main était quand même sympa. J'ai pas de mytho. Il va falloir un très beau muxus avec un très bon Krenko dedans. C'est quoi qu'on sacrifie C'est bah, le prospecteur. T'es sûr Ouais. Parce que bah... Le prospecteur, ça refait un muxus derrière. Bah ouais, mais genre, ça nous coûte tout le bord, quoi. Donc si ça nous coûte tout le bord, <laughs> ça veut dire qu'on a eu tout le truc. Et chef sauf de guerre, si, c'est important si, si on un, un Krenko. Krenko. Ouais, mais si on n'a pas de célérité, Krenko il fait rien. Donc il faut garder la célérité pour essayer de faire être. Ok, ok. Allez, Allez ça peut pas être route là. Et on a un Krenko. Très bon. Fin de tour. Je réfléchis à quelles sont nos options là. On en a pas. Bah, ça, ça fait quoi Ça fait que quand il meurt, tu exiles des cartes et tu peux lui si c'est des gobelins. La fin ok, de tour, lui tour. il gagne plus X, plus un plus 1 pour chaque Pardon, chaque gobelin que tu contrôles ou qui ouais. attaque Chaque gobelin que tu contrôles. Quand il attaque. Ok, donc j'ai aucun intérêt à attaquer avec qui que ce soit. Non, non, plutôt rester en bloc avec Krenko. Okay. Ouais, tu pouvais lui... Je... lui je prendre un trade que... avec Muxus, mais bon. S'il a pas Behemoth dans son deck, Krenko ça bat son jeu tout seul. Ouais. Mais s'il a Behemoth, là on a perdu. Oui. Malheureusement. Let's see. Après, elle ça joue pas Behemoth, je crois. Ah, en historique, si. Ah, si. Alors, en explorer, non, mais en historique, si. Ouais, qui le ban, je trouve. Ok, comment ça va faire la fête à Neuneu Il pioche de la cartasse. Ah non, mais là il pioche tout son deck en fait. On est con. Il a ça. Bah il a pioché deux là. Ouais ouais, mais bon il a encore plein de mana quoi. Et il ah peut oui mais s'il fait payer. que du board ça me va. Hein. Ouais ouais ouais. Par un moment il va arriver le Bemos quoi. Ouais mais si t'as un gros Krenko. Ah mais s'il arrive maintenant c'est trop tard. Ah il a plus le mana là déjà. Il a déjà plus le mana. C'est 8, c'est ça Ah, c'est 8, quand même. Ah, hein vrai, 8. Pour gagner, il faut payer... Non, euh, non, non c'est vrai, c'est vrai. Ah, pas les sous, on peut pas payer. Hein. Et non. Par contre, là, il va faire un certainement un très gros board, qui va lui permettre de faire un BMOD vraiment très, très compliqué. Oh Ah Peut-être pas b -mode, du coup. S'il a ça. Ouais, ouais, ouais. Ça n'empêche pas, mais c'est moins bien. Non, il peut se dire qu'à l'Azurus Shepard, ça suffit, et Maître de Guerre pour tuer. Il a Zorus ou quoi Non, pas encore, sur le board. C'est un peu dur à lire, là cette Petite barre de d'elfe, il en a, il en a, what, 1000 quand même. Hein. Oubliez de faire le crinko en fin de non, non. Ah, bah, si on l'oublie, on a perdu. Essayons de ne pas oublier. Je souhaite activer une capacité. Bon, là, je veux jouer les cartes du dessus de mon pack. Non, on a combien de mana 5 et on a aucun moyen d'en faire d'autres. Est-ce qu'on veut refaire un Mucus Attends, ah non, ça c'est pas pour le jouer, c'est parce que euh, le fouineur flagrant a la capacité de ça. Ouais. Je pense qu'on veut refaire un Muxus, oui. Euh, le le pain. Si, si, tu peux jouer les gobelins du Sud, je crois qu'il faut y avoir, attends. Donc, euh... Ah ouais, d'accord. Donc, on va lancer que... sur de gobelins, ouais. Muxus, ça va forcément toucher le Lord, je crois qu'on refait un Muxus. Hein. Bah, clairement. Allez. Oui. Et si on trouve un prospecteur, bah, on pourra jouer notre chef de guerre. Ah putain, en plus, il y en a un qui meurt, donc, euh, ouais, on, donc peut on peut on décider de l'exiler. Trop bien. Donc, ça a pas trouvé des dingueries. Euh, non, mais a ça a trouvé problème. un prospecteur et on a notre Muxus. Ouais. Donc là tu peux utiliser le Krenko. Je vais utiliser le Krenko maintenant. Vas-y. Et je vais okay. sacrifier des trucs pour refaire un luxus. Attends, est-ce qu'il est pas mort là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 bloqueurs. Donc il bloque euh, les 12 plus gros trucs. 1, 2, 3, 4. Ouais, il 5, est mort. 6, il est mort et je vais juste rajouter mort. en plus. Vas-y ah, mets un lord. Je sacrifie euh, le Krenko. Ah non, mais je peux jouer tout mon deck en fait. Sacrifie peut-être deux tokens pour mettre. Euh... Bah oh, oui, non, mais on a gagné. Hein. Un truc. Regarde, tu, tu joues tout, oh, dans, tout ton paquet en fait. Mais c'est débile. C'est complètement débile. Ouais, voilà. Ah oh, c'est excellent. Ah, j'ai adoré. Oh, mais c'est excellent. Moi 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 Moi, j'adore. Mais attends, mais on est plus fort que les elfes en fait. Alors, les elfes, on est nuls, on bouffe des feuilles et eh bah ben nous on bouffe des elfes. Parce que moi j'ai regardé le Seigneur des Anneaux et tout, si en mode des gobelins c'est pourri à côté d'un elfe. Oui, les gobelins, ils en ouais, C'est le nombre. Oui, c'est le, eh ouais, ouais, ah le, ouais, le nombre. Parce que en vrai, pas a... le nombre. les golas, ils s'en tapent 42, donc... C'est euh... ils Il fait ce qu'il veut, si euh... pas. Oui okay, Mais bon. Après, les... tout elfe n'est pas les golas, attention. Eh, franchement, tout elfe est au moins un demi les quoi. Tout elf c'est 20 gobelins. Tu ne vas pas me dire qu'une rangée d'archers elfes c'est une rangée de les Ici, ils sont là non. avec un casque un peu nul et tout. Oui. Bah, c'est qu'ils sont. Oui, ici, si ils sont. En ils fait, voir chérie euh... Ça, c'est les, les, les préceptes de l'armée. Si mm. t'es dans la rangée, euh, bon, c'est que t'es pas, pas, indispensable. Faut... Tu, tu peux pas te mito. Tu dis non, je sais très bien. Qu -ce es que C'est dans, que dans la là. rangée, c'est qu'on compte pas sur toi et toi seul. Toi. Ouais. On compte sur la rangée, justement. Ouais, ouais. Mais je pense Ouh, que dans la rangée, il y a deux qui vont louper la flèche. Donc, euh... un mec de la rangée, c'est bien 4-5 gobelins quand même. Ah oui, mais chaque elfe. Vaut je parle pas d'un rook, un oroukai. Non, non, parle pas des grosses bêtes là. C'est ceux qui ont fait. Qui a péter. <laughs> Oh la parodie. La meilleure parodie du monde. Une parodie de 10 minutes. Et nous on dévorait ça, on ah était ben... gosses On ah. mangeait ça, on adorait. Ah ouais. Tu Oh putain ça s'est gardé. Euh... J'ai vu prospecteur <laughs> luxus. Oh ça garde. Let's go. Mam, 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 mam. Cela dit, c'est vrai que ce serait mieux de piocher des trucs. Ouais, enfin piocher autre chose que des landes ou des muxus quoi. Mais c'est tout le reste de notre deck. Bah il y a déjà peu de chance de trouver un autre mutant. Normalement tout va bien. Bah c'est excellent. Non. non. Non je comprends mais non. Ah je regarde, je regarde. Il joue lui en face. Ça sent le combo ça encore. Bah oui. C'est un mec qui a besoin de jouer pas beaucoup de spells, euh, pas beaucoup de land. Tous les cooks. Ok. Bon je hein. On va tente là hein. Ça sent bon cette histoire. <laughs> le seul résout. Ok, let's go. Ah, je sais ce qu'il fait. C'est bon. C'est quoi ça, Ria Moi, ça y va, Ria, mais je sais pas quoi, cela dit. Ah, il fait. Mais bah je... non, mais il joue Storm. Il joue euh, Orage des Dragons. Le même deck euh, qui nous a battu au préalable. Ah oui, bah oui, c'est vrai que ça joue ça. Voilà, tout simplement. Tout à l'heure, il jouait Iset, mais euh, en fait, tu peut-être juste pas le blanc, en fait. Oula, attends. Négation, Fontaine Sacrée. Oula, Négate en BO1. Toi, mon pote, tu t'es trompé de la deur, je crois. <laughs> C'est toi qui plus... as mis et tu la joues quand même, ce sport. <laughs> oh, il y a que des gobelins et des elfes. Le mec, il a négate, quoi. Il sait pas où il est, je pense. Il est la voix Bon, ça, c'est fort, hein. mine de rien. Ouais. Ça rompt. Oh. Putain, mais Muxieux, ça fait plus rien, sous casteuse. Après, c'est pas grave, on peut le bourrer, hein. Ah oui, bah, il va falloir, hein, parce que. D'ailleurs, je vais refaire ça d'abord. Oui. Oui, 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 oui. C'est 9 points quand même à l'amigo ça. Oui, puis il va peut-être bloquer. Hein. Mmh. Par contre, le troisième luxus, c'est enfin un c'est pas obligatoire surtout le tour où il joue C'est vraiment. Euh... oui, c'est vraiment pour se foutre de ta gueule, quoi. Putain, ils ont, développé, ils ont fait une piste d'atterrissage chez toi. Ah oui, là c'est c'est vénère. Hein. Du coup, comme on n'a pas parlé, vous n'avez pas entendu sûrement le bruit, mais c'était mmh. un très gros bruit. Mmh. Bah, je pense que c'est un hélico, tu sais, au lieu de se poser sur le. Sur l'hôpital, sur l'hôpital. Il s'est posé, posé là. là. Posé chez toi, ouais. Il chez Il s'est posé à l'envers. Mais t'as un mec qui va taper Blum. chez toi un brancardier mmh. avec un homme à terre. <laughs> Venez aider! Oui! <laughs> Casquette, on y va quoi. Je ne sais regard. pas quoi faire mais je suis avec vous. Mais que, que, que fait-il lui Si je reste et que je crée des trucs, ça marche Oui, c'est bon. Mais attends, il fait quoi le Gugus en face là Qu'est-ce que tu fais C'est rompiche hein, son deck. Hein. Ouais, rompich, Comme je suis content de pas jouer en BO3 contre lui. Rompiche plus plus quoi. Rompiche max. Rompichot bah, euh, même. Crenco GG, qu'est-ce que je te dise Au moment les gens ils respectent rien, on va pas les respecter. Rompichot. Rompichot, ouais. Ah, ouais, t'es pas mal en vrai. Ouais. <laughs> ça te fait plus rire que je te dise qu'elle est pas mal ouais, est, que la blague. C est, c est, ouais, c'est l'après. Oh merde! Ah non, il pioche 2. Mais non, ah, c'est un bug. J'ai eu peur. Je suis en mode quoi? Mais il est fou. Cet homme est fou. Mais il est fou. Ça bloque, hein? Eh oui, ça bloque. Allez, 6 points. Bon, après, il va faire des trucs, j'ose espérer. Je, je pense que là, on risque de, de voir flou. Il a 8 mana. Ah, ben bah voilà, ah bah, déjà, oui. ça, ça marche bien déjà. Déjà, c'est là, ta main, elle est bien, quoi. Elle est prête à allumer, ah, quoi. Après, il n'y a plus hein. Maintenant donné. Euh... Oui. Ah, ben bah non. Ah, mais mes couilles. Hein. Ah, je, je le crie, mes mais, couilles. mais hurle-le. Oh. Parfait. Un land engagé. Il arrive bon. au bon moment. Dégagé, mais... ça faisait la même ça chose. Ça faisait la hein, même chose. Que quelque, la quelque même... part, tout de... tu vas pouvoir attaquer avec. hein. Ça, c'est pas rien. Oui. Oui. Oui, monsieur. Oui. Trop mal il a quand même des autorités du consul, donc il savait un peu où il allait quand même, mine de rien. Ah, c'est bien, Tef avec euh, ça. On va pouvoir partir, je crois. C'est pas notre guerre. Attendez, chef. Parce que si je monte à 8 mana, je paye, hein, la costeuse. Ah oui, mais si tu montes à 8 manas, euh, t'as perdu, je pense. Bon, si, <coughs> si ils biche rompichent... Qui va arrêter de rompiche qui se rompit je rompiche à moitié vol à ah ah, 10 mana 4 maintenant c'est chaud c'est que deux tours de plus et hein. eh ouais tu peux attaquer avec tanière ouais c'est mieux que ça non ouais je crois hein. je crois que là tu es dans une optique où tu nous proposes les et derniers points de va dégâts. faire charme de leur je vais te régaler bingo bah ouais bingo. Non, je pense que là tu n'as déjà plus aucune option de victoire. Oh, le, le joueur, hein. je tue l'adversaire. Oui, oui. 20 uh. dieux. C'est vrai que tu peux faire ça en historique. 20 dieux. Ça donne de grands arguments pour jouer. Ça fait peur, dit. Ah, là maintenant, plus que 6 pour le, le Coco Bingo. Plus que 8. 8. Eh oui. Il a tué notre terrain en plus. Hein. Oh, bah oui. C'est fort, hein. Oh, je peux y aller là. Non mais va-t'en, oh, va va-t'en, va-t'en. Non parce que là on regarde, on rigole et tout, mais euh... Là il se dit ah merci de partir parce que j'allais mettre une plombe. Il y a un oui, moment où on, on sait quand ça ne quand, quand rien ne va plus. Rien, tu l on va pas en faire un petit dernier, je pense. Ah oui. The last. Ah on finit pas là-dessus. Hein. the list. Et on va peut-être même pas finir là-dessus, tu vois. But it's the last. Si si. Si sûr. Là, il faut call, il faut call. Ah Ah si on va finir Ah oui, si. Parce que s'il commence à percer... C'est le voisin qui a demandé du coup. Et elle dit si si vous finissez, hein moi j'ai besoin d'enfoncer des trucs dans les murs. des murs. Les clous je précise, pas ces enfants. Non, tu vas pas arrêter de pleurer Mais <laughs> pourquoi vous avez percé le trou avant Vous avez prémédité l'action du coup Vous saviez que vous allez faire ça C'est dangereux ça, monsieur. Vraiment, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. On dirait euh, l'évolution dans un livre d'SVT de, euh, du vol d'un oiseau. Parce ouais. que comme c'est vraiment le même, avec Là... des mouvements différents, c'est si tu vois... C'est la, la lignée comme euh, ça, quoi, la lignée oisale Il parle. là ouais. ah, tu sais genre comment il vole Et eh ben il vole comme ça. Oui c'est vrai. Une espèce de, on pourrait te mettre le schéma avec l'angle mmh. l'angle de décollage. Si je fais et ça, moi ça vous me voyais bien. Pensé, tu sais la lignée humaine avec l'homme qui se lève et qui se met à marcher. Oui. Ben là c'est vraiment l'oiseau euh, ben, qui se met à voler quoi. Ouais. Au début ils avaient pas d'ailes. Non. Et après ils en ont eu. Ils étaient ridicules. Du coup ça serait la lignée. Euh, euh... Mais on joue que contre des pseudos bizarres aujourd'hui. Oui c'est vrai. C'est que des bottes. Ce qu'on a payé pour que la vidéo soit plus facile, oui. Bah, le bot d'avant, par contre, plus jamais je paye. Hein. bot d'avant, euh... on au max. Là, ah euh, merci, quoi. Contrat finito. On prendra un autre. Oh, un mirror, excellent. Mirroru, c'est bon. C'est good. T'es sur le play, donc c'est bon. T'as gagné. Mmh... comme ça que ça marche. J'espère. Oh, il est roleplay à fond. Hein. Regarde, il a un squeeze. Oh, même ça me plaît ça. Oh, bien joué, Monsieur Leblanc. What, what? What? soit What? On va quand même faire une fable hein, ici. Ah oui. Hein. Euh, hum. Chef de guerre, c'est pas mieux? Fable, ça va chercher euh, Muxus. Tu veux Allez. dégager les deux landes? De landes. J'en dégager hein, un. Ah, je, oh, je dégage les deux, moi. Ah ouais? Bah parce qu'en plus t'as une potentialité un peu chère. Oui. En dégageant deux. Un plus le trésor plus la réduction, je pense c'est fine. Crois oh, la réduction pas mal d'avoir euh, du noir aussi. Hein. Si tu joues en BO3 avec des saisies et tout, c'est cool, je pense. Ouais. En BO1, je pense oh, pas. Putain, mais j'avais pas vu. Euh... Sharknado. Mais tous les, tous les trucs derrière, là, le poulet, euh, le gobelin. Euh... Expert oui. en munitions, c'est-à-dire il sait tout ce qui peut être envoyé. Attends, mais c'est un requin dans les airs qui est monté par un gobelin avec, un, avec une lance. Exact. Du grand Mendes. C'est le Kurenko ou refable. Peut-être refable parce que tu veux dans ce dans ce match tu vas retrouver Muxus le plus rapidement possible. <coughs> je pense que tu vas attaquer ici. Et tourne d'après, tu jettes toute ta main jusqu'à Muxus, hein, je pense. Ouais. En plus comme maintenant on a beaucoup beaucoup de gobelins dans le deck, plus des hauts faits de fer ou des pierres de mmh. des mindstone Ouais ça touche mieux. Tu croûtes pas trop, ouais. Ouais, ça touche clean quoi. C'est fort ça quand même. Bam! C'est pas mal. Il a fait un chef de guerre. Ouais. Il va nous bourrer, mais écoute, euh, je trouve que tu sais, c'est gagné. Ouais. ouais. Bah, ça a potentiellement gagné. Garde le land whatever et tu jettes 3. Euh, 2 pardon, tu peux pas jeter 3. Je jette tout. Vous voulez tricher? bah t'enlèves gobelin et... et chef hein non je sais pas regarde pas ça et ça 4, ah là là tu veux trouver mucus 6 en fait je peux faire ça et ça et, euh, et faire du board donc euh, en vrai euh... tu peux faire les deux euh... ah putain ouais je peux faire les deux ouais. en jetant château en jetant château vas-y bah jette château hein. mais du coup euh, ah, mais... Je vais trouver land mucus peut-être ok on trouve pas mal du coup là bah chef Krenko, t'as raison ça. Chef. T'attaques et crinco. Quoi. Ouais, il est à Ah oui, mais le reflet aussi à l'est Ouais. Donc je fais une chier de goblino. Ouais, tu attaques avec tout, non À moins que tu aies peur de te de perdre sur le comeback. Ah, sinon, je peux faire juste phase d'attaque avec ça. Ouais. Euh, avec le trésor, je vais copier un gobelin et faire encore plus de gobelins. Ouais, c'est mieux. Ouais, tu fais un peu plus de gobelins, du coup, ouais. Ouais, j'en fais un de plus. Je vais peut-être attaquer avec le chef de guerre, ça mangeait pas de pain. Ah, oui, exact. Je pensais mais à le euh... garder, mais ouais, j'en oh, un peu un peu anecdotique. Quoi. Non, mais c'était deux points de, de perdu, t'as raison. Ok, bon, là, faut pas qu'il le voie et qu'il vienne s'empaler sans avoir un muxus. Mais bon, il, en a, il y a un snoop en plus, donc euh, il va être chaud. Ah Fais comme nous, avec plus. Et plus gros. Euh. Ouais, il fait plus et plus gros, ouais. Ouais, ouais. Eh ouais. Visiblement. Parce qu'il attaque avec tout. Mais je crois que s'il attaque avec tout, euh, on est obligé de survivre, mais on peut pas faire de dingue. Hein. Avec le scour qui peut faire des bêtises encore. Hein. Il s'est dit j'attaque avec tout, mais pas avec tout en fait. Bon ouais, bah écoute, vas-y. Hein. Tu fais un chef de guerre. On fait un Krenko, mais c'est des 1-1 nos gobelins, quoi. Donc ils se font péter. Oui. Et là, en fait, je pense qu'il faut juste bloquer pour pas crever et c'est de tuer le tour d'après. Ouais. Donc. Il euh, faut que je... tu en mettes un. Là, il hein. y a 12, 13, 14, 15, 16. Donc, il faut que j'en tue 3. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, je peux même m'en tuer que 2, je crois. Il y a 8, 9, 10, ouais. 11, 12. Et tu veux garder. Tu veux un... Ton 2-2 de qui s'en va et mange un gobelin de plus, quoi. Oui, plutôt, ouais. Mange le, le prospecteur ou je prospecteur et c'est tout. Et du coup, je peux bloquer que comme ça. Et tu gardes un gobelin de distance coup. 12, ouais. Ouais, okay. ouais, vas-y, vas-y, on en est là de toute façon. Il me met pas un point de distance ça. Non, je crois pas. On va voir. Non, c'est fin de tour. Mais il est mort du coup là. Ah, tu fais 6 nœuds. Avec tout pour faire des bêtises. Ou alors tu t'achètes... Ah tu peux quand même château. Ouais je pourrais château avec le vas bon vas-y. Hein. Bon, on va voir ce qu'il y a. Prospecteur c'est pas ouf. Si parce que tu peux tout jouer après avec les tokens de Krenko. Ouais mais si c'est le land. Oh ouais, je pourrais quand même activer ça. Si ouais. c'est land tu peux quand même activer ça en sacrifiant ton truc. Oh. Ah c'est pas mal. Bah c'est bon là t'as gagné. Hein. un Là tu le joues je pense. Yes En fait tu le joues, après derrière tu faisais Krenko, tu mmh. pouvais tout doubler, euh, on, ouais, ouais. on attaquait avec un euh, milliard de, de gobelins. Oh, elle, était bon, chaude. elle était chaude, mais elle, a, elle fait plaisir. Elle était pixel celle-là. Fin de cette vidéo. Pouce en commentaire, partage, abonnement. Et il est trop Rése bien, les Réseaux les sociaux. sociaux. Ouais, très très cool, très kiffant. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch valpe Magic Arena FR. Et surtout, si si n'oubliez pas, pas c'était la belle la magie. magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.